prends le cheval, quelques minutes. Et après, l'avantage du tournage, c'est que tu peux couper à fond. Ouais, mais bon, après, ça peut être aussi un problème pour le cheval, qui peut s'épuiser un peu vite. Bah oui, bah, on dit au réel, des fois, c'est que s'il doit en faire 10, 15, 20. Ouais, il peut pas le cheval. Bon, en tout cas, il faut faire ça sur 3 heures, quoi. Le temps qu'il puisse se reposer et reprendre. Ouais, bah après, ça va, là. Hein. Je veux pas le stresser non plus, quoi. Ouais. Il a quel âge? Il a 8 ans. Ah, ils sont trop beaux. J'aime trop. En fait, c'est le côté libération qui m'intéresse. Oui, d'accord. Non, moi, tu sais, dans mon idée, il y a une sorte de muselière, c'est un panier, tu sais, pour pas. C'est un truc qu'on met ça pour les chevaux, pour pas qu'ils mangent ou quoi. Comme disait Clément, c'est-à-dire que dans l'idée, là, ça peut passer pour l'avant-projet, mais quand tu feras la fiction, il faut respecter, tu vois, le comment on fonctionne réellement. Ouais. Bah, tu vois, je pense que ça, dans l'identité, tu vois, du cheval, ça sera plus cohérent. C'est ouais, cohérent. Je pense. Et ensemble, mais ça, pareil, pour pas qu'il se. C'est pour ça. Ça, c'est pour le tenir. Non, c'est pas une carotte. Ah si, il l'a mangé. Si, bon, c'est pas grave, je m'en fous. Ah mais oui, c'est bon, il a tapé un croc dans mon gant. C'est pas grave, ils seront marqués d'expérience. Là, c'est une brûlure de clope, là, c'est une brûlure de cheval. T'as, regarde, t'as des regards, là, mon gars. Waouh. Moi, je voyais pas ça au pied, je voyais tout à l'épaule. À ce moment-là, c'est un peu un truc fougueux. Tu vois l'épaule? Ouais. Tu peux faire un spé, ça n'arrive pas. Ouais, je voyais un truc fougueux, moi. Okay. Et puis moi, plus l'intention, je préfère à l'épaule, là, toute cette scène. En fait, c'est soit tu veux un truc en mouvement, mais hyper smooth, hyper calme. Non, je veux pas un truc smooth. Bah là, faudra un truc smooth à la fin, quoi. Parce que sinon, même si tu stabilises, je pense que ça bougera toujours un peu. Ouais, c'est bien, ça. Moi, je vais être là. Bah ouais. Là, ça m'a l'air pas mal. Peut-être faire un truc genre... Comment on peut me remettre le retour? Et toi, t'en penses quoi, Antoine? Que le cheval, il soit carrément recouvert par les barreaux. Ça fera vraiment emprisonner, quoi. Franchement, je sens plus aucun manque de mon corps, mais dans l'ensemble, sinon ça peut aller. Il signe et tout. T'as des droits d'image sur les animaux? Ah ouais? Attends, je savais pas. Ouais, je te jure, ça c'est. Genre mon chat. Domestique, de sa propriété. C'est un peu. Je crois qu'il y a. C'était une anecdote de quelqu'un. Thomas, il est là tranquille. Qui disait que quelqu'un avait porté plainte, va dire en mode non, ça c'est mon animal. Ah ouais? T'as pas les droits. Tu filmes pas, Pipoun. Ok, tu. Tu arrêtes. Tu filmes pas, petit. Tu lâches Pipoun. Merde, il a pas les droits. Et ils font quoi? Ils font le trajet, c'est ça pour... Ouais, c'est ça. Je pense à vraiment geler. J'ai deux appareils, comme ça, tout le monde peut... Ah ouais. Putain, c'est... Wow. Bah, il faut juste que vous ayez... Le problème, c'est qu'il faut avoir le budget, quoi. Les pattes, quoi. De venir ce soir, si. Oui, on dirait ce soir. Ok. Bah, au moins, là, pour aller travailler, pour aller... Pour aller pour... En fait, c'est pas compliqué. Quand c'est rouge, ça tourne. Ça tourne pas. Allez. Tu fais un plan large de lui qui raconte et de lui qui galère avec sa mordante. Et un matin, le cheval, il veut pas se lever. D'accord ? Il veut pas se lever. Alors, le cochon, on va du coup, tu sais pas. En fait, le problème, il y a eu un backup qui s'est mal fait hier. Tous les bons rushs qu'on avait fait, tout ce qu'on avait tourné hier matin, bah, ça a été enlevé. Du coup, on est en train de le refaire là, ce matin. On devait faire la scène du galop, mais bon, bah, on va en profiter pour refaire ça. Voilà, normalement ça va aller, hein. Mais bon, c'était des beaux plans avec le cheval. Du coup, ouais, on verra si on peut refaire ça, mais bon, on n'a pas le choix. Quand ils sont dehors tout le temps, c'est pas trop grave, mais là, vu qu'il a pas l'habitude de manger, c'est pas grave, je vais
C'est plus un coup de vent ou vous allez, ça le réchauffe? Ah ouais, ça le réchauffe. Bah, là, là, vraiment, mais il a les deux là, avec la main en dessous, vraiment, même en sortant. Ah oui, si. Bah, il est bouillant, quoi. Bon. Ah ouais, mais en même temps, il est rasé, hein. Tu lui laisses pas ses poils naturels. T'arrêtes de t'agiter là. Parce que du coup, ses poils naturels, c'est. C'est. Ah, ça lui tient chaud. Enfin, c'est-à-dire que ça lui tient, ça lui tient chaud. Quoi. Là, nous, on les rase presque à blanc. Là, il a déjà repoussé. Hein. Parce que quand on les travaille, ils transpirent. Et quand ils ont une grosse épaisseur de poils, du coup, ils transpirent. Et du coup, ils restent mouillés et ils tombent malades. Alors que là, on lui met une couverture. Quand je travaille, je le déshabille. Du coup, il transpire pas. Et dès qu'il travaille plus, tu l'en. Et je le recouvre. Ok, ah, très bien. Mais par contre, t'es obligé de les couvrir. Ah, ils s'éclatent. Beaucoup parce que. Bah, ils ont pas de poils, quoi. Ils ont pas le poil naturel qu'ils font naturellement dès qu'il fait froid, là. Mais petits poneys, c'est des ours, quoi. Oh putain. Oh, il est moins beau, tu vois, là. Attends, monte ça. Bon, attends, il est tout aussi mignon. Tu peux commencer même. Ouais, je peux pas parce que je vais l'avoir, lui, là.